Crédit bancaire comme les autres diabis, tu sais ce qu'il te reste à faire. Fublory.com frérot, t'ouvres des packs, tu touches du lourd sur les crédits en vivacité, en mode booba, lien dans les... Salut tout le monde, c'est Paul Eta, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper content de vous retrouver aujourd'hui les gars. Pourquoi? Parce qu'il fait beau, il fait chaud. Et je me suis levé à 16h. On peut enfin mettre des débardeurs sans être jugé. Et puis on va pas se mentir, quand il commence à faire beau, quand il commence à faire chaud, vous savez ce que ça veut dire les gars. Comme tous les lundis, on se retrouve pour votre série pré... Quoi? Ça fait 4 mois que j'ai pas sorti Planet Foot le lundi. Ça va, il y a eu le décalage là, ils nous ont rajouté une heure et tout. Au passage, Giroud a encore mis 2 buts. Je pense qu'Olivier Giroud est un joueur majeur en équipe de France. Je pense que Karim Benzema devrait rejoindre le FC Daesh. Non, plus sérieusement, aujourd'hui, le sujet de la semaine, je voulais l'aborder parce que là, c'est plus possible. Vous avez vu ce qu'il a fait Ben Arfa? Non, est-ce que vous avez vu? C'est... Bon, c'est... Même si vous l'avez vu, je préfère vous le remontrer. Et je continue à me battre parce que d'une, ici, c'est un club que j'aime profondément et que je sais que je peux vraiment aider cette équipe. À tous les matchs, je sens et je sais que je peux vraiment aider cette équipe. Si on me donne ma chance et que je suis pas bon, je partirai de moi-même. Même pas, je comprendrai. Mais j'ai besoin qu'on me donne cette chance. Non mais vous vous rendez compte que le mec quand même joueur pro au PSG, il fait une vidéo comme ça. Vous savez ce que j'ai vu moi dans cette vidéo? J'ai vu ça. Malgré ses efforts, le jeune homme n'a toujours pas trouvé de solution pour atténuer ses bégaiements. Mais il est loin d'abandonner. Là je suis vraiment découragé. J'aimerais vraiment trouver un truc qui fonctionne vraiment et pas des trucs... Alors je vais vous poser la question les gars, qu'est-ce que vous pensez du cas Ben Arfa? Est-ce que... Moi franchement il m'a fait de la peine, la vérité cette vidéo elle m'a fait de la peine de ouf. Ouais c'est pas facile de bégayer. Non plus sérieusement il m'a fait vraiment de la peine. Et après moi je suis d'accord entre guillemets avec lui. Quand tu vois que des Lucas qui font des performances vraiment claquées, on va pas se mentir, sont jamais remis en question, Ben Arfa aurait mérité plus de temps de jeu. Parce que c'est vrai que c'est pas en rentrant des 3, 5, 6 minutes que Ben Arfa va pouvoir prouver quelque chose, tu vois. Mais à partir du moment, moi je pense qu'il y a déjà quelque chose entre Emery et lui. Moi je pense vraiment qu'Emery, ce qu'il a pas apprécié, c'est quand Ben Arfa est arrivé au PSG tout simplement, voilà, avec 3-4 tacos en trop dans le ventre. Ça c'est un truc qui est pas passé. Et aujourd'hui il le paye sûrement en étant tout simplement remplaçant à tous les matchs. Alors est-ce qu'on peut dire que c'est la fin de Ben Arfa au PSG? Franchement, si Unai Emery reste coach, je vais pas vous mentir, ça sent pas bon du tout pour Ben Arfa. Après, moi, ce que je lui souhaite à Athènes, c'est de revenir en forme et de performer au Paris Saint-Germain, parce que je pense qu'on en aurait bien besoin d'un Ben Arfa qui était décisif comme à Nice, par exemple. Après, le problème de Ben Arfa, c'est que dès qu'il commence à y avoir de la concurrence, etc., tu sens que, voilà, c'est pas comme à Nice où il était, entre guillemets, la star de l'équipe. Là, au PSG, c'est loin d'être une star. Il y en a 3-4 devant lui, tu vois ce que je veux dire? Et ça, il a du mal tout simplement à s'adapter. Et malheureusement, voilà, si Emery en plus ne le fait pas jouer, bah ça fait que c'est chaud. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que le transfert d'Athem Ben Arfa au PSG est un échec total ou si vous y croyez encore. Après, si Ben Arfa, vraiment le foot, c'est plus une option pour lui, ce que je peux lui conseiller, c'est de devenir youtubeur streamer. La vérité, il y a des footballeurs qui font ça. Tu me crois pas? Tu me crois pas? Here we go. Don't be Moiler. Don't be Moiler. Oh, le mec s'est paqué lui-même. C'est magnifique quand même. Mais par contre, quand même, tu te paques toi-même et ta carte est éclatée. Yes. Trop bien. Le clash de la semaine, je crois que c'est en Argentine, les gars. Je vous avoue que j'en suis pas très sûr. Mais quand vous allez voir la balayette, mais quand je vous dis, tu vois la balayette dans le dernier clip de PNL, là, elle était violente. Mais cette balayette, c'était un apéritif. C'était rien. Vous voyez quand il y a bagarre et que tout le monde sépare. Tu vois, il y en a, ils sentent un peu pousser des ailes parce qu'ils se disent, dans tous les cas, il y a mes potes, ils séparent, donc il y aura rien. Mais lui, t'inquiète pas, lui il s'en fout qu'il y ait quelqu'un ou pas. Santos, o Fabio Costa e o Fabio Heller, além do Roberto Brum, que já tomou o terceiro, estão pendurados. E agora tá expulso de campo. Os dois. O Domingos não pegou na bola e já tá expulso. E agora ele briga com o Diego Souza. Diego Souza foi expulso, o Domingos também. O Diego deu um chega pra lá no Domingos. O Domingos. Olha o
On passe au ballon de plomb. Alors, voilà, j'ai déjà clashé des mecs qui finissaient mal. Des fois Cavani, des fois Diabaté, des fois Mevlut Erding. Mais non, maintenant, quand tu tapes finition dans le dictionnaire, voilà, t'as la nana qui va avec. Vous avez pas vu ce qu'il a raté? Moi, je croyais il y avait hors-jeu, il s'est arrêté de jouer tellement. Si, je te jure. On passe au Puskas de la semaine et je retiendrai tout simplement le superbe but de Lukas Podolski pour sa dernière sélection avec l'Allemagne. C'est tout simplement magnifique. Régalez-vous, régalez-vous. Tu es grosse, Mélissandre. Posé dans le quartier, je suis déchiré. Flip et drogue dur, je dis everyday. Mais je pense à réduire ma conso, car je fume de trop. La gueule de rhum fait léviter. Les keufs m'ont serré, j'ai tout nié. La femme d'hier, je l'ai oublié. Millions de questions qu'elle me pose. Je crois jamais de fleurs, je l'envoque dans les rosiers. Défoncé, je suis pété, je chill. Négro, laisse-moi vivre à mon dream. Ça te chat comme pleine de jeu. Je l'envoie dans les cieux, jusqu'au l'air et férié. Recherche finance dans le crime. Peut-être devrais-je changer de sim. La police nous questionne, les dealers nous pistent. Je me dépe dans le club et mes sons passent en anti. Attention, attention, serre les jambes. Serre les jambes, on te l'a dit, serre les jambes. Après tu finis sur des t-shirts. Absorbé par une drogue absurde. Je pense qu'à fouiller le monde sur les ondes. Je me réfugie, je pense qu'au fond j'ai peur d'être sobre. Tant de blessures et raflures à vivre allure. Je vis, je vois que vis les vertures. Disait verdure, négro, sans quoi c'est la mort. Je me souviens les gars. Bon, la dernière fois que je me souvenais d'un truc, c'était le 6-1. Donc la semaine dernière, il n'y a pas eu vraiment le je me souviens. Mais là, aujourd'hui, il y en a un. Vous connaissez Benoît Pedretti? Je pense que vous le connaissez, c'est un joueur que j'aime beaucoup. J'aime bien en parler. Vous connaissez Loulou Nicolin, le président de Montpellier? Eh ben, Pedretti, il l'aime pas autant que moi je l'aime. Tu vois ce que je veux dire? C'est dommage ce soir, parce que je pense qu'un petit match nul. Mais enfin, ils ont été meilleurs. Pedretti a tout commandé sur le terrain. Mais celui-là, quand il va venir à la Mosson, on va s'en occuper. Ah oui, à quoi vous faites allusion? On va s'en occuper. Non, je ne parle pas de l'arbitre, parce que l'arbitre a fait son travail et tout, mais lui, c'est une petite tarlouse. Moi, j'ai beaucoup de respect pour l'homme, pour ce qu'il a fait pour le football français, pour la ville de Montpellier. Maintenant, entendre une insulte comme ça, je pense que c'est inacceptable. De dire que j'ai tout commandé sur le match, il y a un arbitre qui est là. Nous, il y a deux capitaines de chaque côté, on est là pour faire que le match se passe le mieux possible. Et, bah, ils vont s'occuper de moi au match retour, on verra ce que ça veut dire, mais c'est quand même assez grave. C'était votre pote Paoletta, les gars, pensez à liker la vidéo un maximum. Les gars, là je viens de re-signer un partenariat, du coup j'ai un network, du coup mes vidéos sont enfin, ça y est, on va pouvoir... Donc je vous propose un truc, si vous faites 20 000 likes sur toutes les vidéos, je fais une vidéo par jour pendant une semaine. J'ai promis que je le ferai une semaine, c'est peut-être cette semaine, peut-être pas, c'est à vous de voir. Portez-vous bien la famille, c'était votre pote Paoletta. L'osé qui rentre dans le matelas, monnaie à part et ça fait pouf. J'ai de la coca de couper le souffle. J'ai la vitesse, la force, la finesse. Je casse la démarche comme dans Minis. L'dosé dit d'assis, j'ai oui, yes. Contrôle de ma commande, vite.